C'est peut-être la peinture qui voulait pas de moi. Grâce à Valérie Belin, je me suis rapidement tournée vers la photographie. Alors, peut-être que je photographie comme j'ai appris à peindre. En soignant le cadre, la composition, les couleurs. J'aime beaucoup confronter l'humain au végétal, au minéral. Je me sers de ma sensibilité pour recréer des atmosphères propices au rêve, à l'évasion. Je viens d'un milieu où la laideur était omniprésente et chercher le beau dans le laid a été une gymnastique de survie. Ça explique sûrement mon obsession pour la couleur, en opposition au gris des cités. Je les pousse même un peu à la limite du réel. Ici, nous sommes à Chenonceau. C'est un château de femmes, le château des cinq dames. Difficile de rêver mieux comme décor. Pour cette série, je me suis totalement concentrée sur les atmosphères. Je les ai voulues denses et feutrées. En associant le végétal sous forme de diptyque. J'ai choisi de travailler le ton sur ton. De mélanger les motifs et les couleurs des robes à ceux des tapisseries. Pour moi, le SL2 est un excellent outil de travail. Il fait claquer les couleurs, ressortir les textures et les nuances. C'est aussi un boîtier qui facilite énormément mon travail de post-prod. Le viseur numérique offre également un vrai confort quand on travaille dans une quasi-obscurité. J'ai deux objectifs de prédilection, le Summicron 50 mm et le 75. Voilà, depuis 20 ans, j'étais habituée à travailler avec n'importe quel appareil photo qui me tombait sous la main, persuadée que c'était pas l'outil qui faisait le photographe. Bon, mais je dois reconnaître, je peux plus me séparer du SL2, tellement il colle à mes recherches esthétiques. Et j'adore le rendu cinématographique de ce film.